Et salut tout le monde, bienvenue pour la suite de l'aventure Xenoblade Chronicles. Donc on s'était quitté hier à la recherche de eh bien du chemin vers le massif de Valak. Et donc là c'est il fallait partir en fait vers le sud-ouest à partir de la base aérienne. En tout cas, de là où la navette nous a déposé. Et donc, a priori, là, on est sur le bon chemin pour aller vers le massif de Valak. Une zone secrète, le tombeau du roi Annie. Tablette de sceau. À cause de l'érosion, les gravures sont indéchiffrables. Bon, ok. Et ouais, mais nous, on aimerait bien quand même. Ouais, d'accord. Donc, a priori, on n'est pas non plus par ici sur le bon chemin, mais on va pas désespérer. Toute façon, on nous avait dit hein, de grimper la pente. Donc je pense que grimper la pente, ça voulait dire progresser par là-haut, tout simplement. Par là-haut, au moins, ça monte. Le col de Valak. C'est un peu comme si on allait au massif de Valak. Dites-moi donc. Alors, c'est une zone qui est pas très belle, hein, le massif de Valak. Donc, une petite cinématique, tiens, ça faisait longtemps. Sansa n'est pas mort. Ah bah voilà. Je le sens. Notre tragédie se répète. Dame Meinas. Cela signifie-t-il que, en effet, nul doute qu'Egil s'en est rendu compte lui aussi. Néanmoins, pourquoi avoir libéré Monado? Sansa doit savoir qu'elle est devenue une arme à double tranchant. Et pour quelle raison a-t-il choisi ce jeune garçon? Ah ouais, elle est complètement amnésique, hein. Que m'arrive-t-il? J'éprouve des sentiments pour ce garçon. Dame Meinas. Vanea, j'apprécie la diligence avec laquelle tu as effectué ces réparations. Merci. J'aimerais revoir ce garçon. Me retrouver à nouveau face au porteur de Monado. Le garçon? Mais madame, n'est-ce pas... Egil est-il au courant de mon éveil? Non. Conformément à votre requête, il n'est au courant de rien. Dans ce cas, il n'y a aucune crainte à avoir. J'irai trouver le garçon. De plus, Monado le guidera jusqu'à moi. Bon, les grands esprits se rencontrent, quoi. On décolle sans moi, hein? Je t'ai déjà vu, j'en suis sûr. Mais oui, ça me revient. T'es la petite sœur de Dunban. Ouh, ça chauffe là chez les Mekons. Donc nous voilà dans le massif de Valak. Qui souffle le chaud et le froid. Surtout le froid quand même. Et surtout qui est pas qui est loin d'être la plus belle zone graphiquement. Mais bon, je donnerais cher pour une bonne tasse de café maison de Dixon. On n'est pas fait pour un froid pareil. Ça n'est guère étonnant, le climat n'a rien à voir avec celui de votre région. Il faut grimper jusqu'ici pour trouver aussi froid. Ricky déteste froid. Ça doit être dur pour Ricky, lui qui vient de Makna. La vallée de l'épée se trouve un peu plus bas, n'est-ce pas? C'est exact. Mais avant cela, il y a une chose que je dois te montrer.
À moi? Oui, Shulk. Tu vois cette formation qui ressemble à une tour? Ce sont des ruines, pour être exact. Ricky voit, plus grand que grands arbres du village. Nous pourrons nous reposer là-bas. Je t'expliquerai tout une fois arrivé. Ok, donc le col de Zouk Head. Alors il me semble que cette zone-là, je l'avais pas mal rushée. On a quand même 2485 mètres à parcourir. Collègue de moi à côté de l'entrée de la vertèbre. Faut aller voir lui. Prenez pas montagne à la légère. Faites confiance à moi. Attention, monstres dangereux vivent en bas. On les appelle Excetor. Prenez pas montagne à la légère. Faites confiance à moi. Ok. Brrr, froid. Mais c'est mon travail, dois rester au poste. Vends tout et n'importe quoi. Ah, plein de super produits. Alors, on va faire un petit point quête. Vous descendez la montagne? Alors vous pouvez sécuriser chemin. Ce serait très utile pour moi et mon groupe d'enquête. Faudra commencer par éliminer quelques... Mora Manta. Ok. Donc ils sont dans le massif de Valak. Alors là ça va être le... On va faire le plein de quêtes secondaires. Donc là, 5 Pagules para. Vous êtes mes héros. Quand on se bat sur pente gelée, on glisse et badaboum. C'est mieux si vous y allez. Encore. J'aurai autre requête. Vous pouvez aussi éliminer des archers Nevenfra. Leurs flèches font mouche de très loin. Bah ouais, allez. Vous êtes trop gentil. Il existe 4 chemins pour rejoindre le groupe d'enquête. D'accord, donc il nous dit qu'il y a plusieurs manières de descendre en bas. Oh, et failli oublier. Éliminer aussi un Lexos Senna. Sans ces monstres, groupe d'enquête pourra faire son travail. Bah allez. Allez vous relaxer dans une source thermale quand c'est terminé. Très agréable, vous verrez. Et donc il y a le marchand. Alors on va déjà... commencer par voir un peu l'état du groupe. Et même avant de voir l'état du groupe... On va voir ce qu'on peut améliorer comme art. Hop, on va améliorer par exemple la lacération dorsale. Et la secousse acérée. Pour l'ami Shulk. Pour Rain. On va améliorer le tourbillon féroce. Et puis ravage. Ah, j'ai oublié. Il nous reste Dunban, ma foi. Il a quand même 18 000 points à distribuer. Voilà, désolé pour le petit interlude, j'ai été coupé dans mon élan. Donc c'est parti hein, pour l'exploration de ce massif de Valak. Alors, il y a plusieurs manières d'arriver en bas, effectivement, il y a 4 manières. Dont par exemple, ce petit passage sur la droite, là, vous pouvez voir sur le radar. On va essayer
pas forcément de faire une exploration exhaustive, mais de voir un petit peu toutes les possibilités de cheminement qu'offre ce niveau. Et vous voyez que c'est long, hein, 2300 mètres, c'est long. Et donc là, on a une proie. Alors, j'en ai déjà tué un là en off. Voilà. Les Mora Mora Monta. Il faut en tuer deux. Donc, on va pouvoir réussir la quête tout de suite. Même s'ils sont assez balèzes. À moins que celui-ci ne nous tue, mais. Il n'y a pas de raison. À tous les trois là, trois cogneurs, ça devrait le faire. Voilà. Bon bah voilà, on a réussi une quête. Et donc on a accès par exemple à une zone en hauteur comme ça. Et vous voyez qu'il y a bifurcation sur bifurcation. Pop pop pop, alors il y avait quelque chose par là-bas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un saut à faire. Ah non, il y a un petit chemin comme ça qui descend. Ou alors on peut grimper là. Ouais, c'est finalement. Et on va avoir accès ici. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Des nébulas de niveau 44. Merci, très peu pour moi. Et ici, il y a un petit passage. Ouais, qui permet de faire le tour de l'autre côté, là. Bon, rien de fantastique, hein. On peut pas dire que le level design soit la première qualité de Xenoblade. Et c'est pas pour ça. Alors, on est au piédestal de Belfalgar. Une zone secrète. Donc, on gagne en XP de cette manière-là. Et on est carrément sur une zone qui. Hop là. En fait, je m'en souviens plus du tout, hein. J'ai fait le jeu il y a 4 ans, je me souviens plus de où ça nous conduit. Wouh ! Waouh, le saut !
Disons qu'en passant par là, on rencontre pas beaucoup d'ennemis. Je sais pas où se cachent les ennemis dans le massif de Valak. Ah, bah là, il y en a. Voici le second morceau de verre glacé pour Kaleka. Suffiront-ils à réparer le panneau de contrôle du fourneau des terres? Ah, bonne question. Bonne question, voyez-vous. Tiens, mon petit Mora Mora Monta. Ramasse-moi tous ces coups là. Waouh. On va quand même... Oula. Aïe aïe aïe. C'est perdu. Et donc on repart. Depuis le dernier endroit qu'on a visité. Et donc voilà, on est passé sur un bloc de glace là qui nous fait accélérer. Allez, on va essayer de faire ça, Fissa, Fissa. Sur la corde raide. Je trouve que les pas dans la neige sont bien rendus, quoi. On voit Shulk lever les genoux pour courir dans la neige. C'est pas mal rendu, je trouve. Ah, c'est level 47, va falloir s'accrocher pour le battre. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Des Pagules Para de niveau 40. Allez, on va y aller. Oh là là, ah oui. Il y a une faune par ici. Et donc c'est une quête secondaire aussi. Les Pagules, donc il va falloir en faire quelques-uns. Un joli coucher de soleil sur Valak, sur cette patinoire.
Voilà, c'est très vite fait, hein. On va en profiter pour finir la quête. Allez mon petit Shulk, va ramasser tes coffres. Je sais pas c'est quoi la bestiole là. Ah ouais. Ah puis il y en a un dernier de Pagule là. Allez. Ok, et il nous reste lui de niveau 44. Alors avant, on va se prendre les cristaux. Et ben allez, viens par ici mon coco. On va s'occuper de ton cas, tu vas voir. Et je dis pas ça pour rigoler. Voilà. Bon, on va se quitter là, les amis. Parce que c'est vrai que ce niveau est blindé de passages, de secrets. Et puis surtout, il fait chaud, c'est la canicule. Donc je vais aller boire mon petit verre d'eau glacé au citron. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode, si vous voulez bien. Donc à bientôt, les amis. Zoubis.